Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo dans le thème d'Halloween parce qu'en ce moment on est dans le thème d'Halloween. En fait je vais regarder des vidéos paranormales un peu. Moi perso je crois à tout ce qui est esprit, trucs comme ça et tout machin. Donc après voilà, c'est mon avis, après pas de débat en commentaire ou quoi que ce soit. Chacun croit ce qu'il veut. Un pote, il m'avait dit d'aller voir 5 faits sur la mort, un truc du genre. Il m'avait dit d'aller voir ça, c'était un soir à minuit, donc j'avais pas trop envie d'aller voir, mais je pense que là, si les vidéos je regarde, c'est me lâcher. Je pense que j'irai voir ça. Je me dédicace à Kevin aussi parce que... Mais mon ordi va se péter là. Et je me dédicace aussi à Kevin parce que le jour j'étais à McDo et il était très triste que je ne lui ai pas fait de dédicace. Donc je te la fais comme ça, au moins j'y ai pensé. Voilà, ça c'est fait. J'ai tapé sur YouTube vidéo paranormale. Fait les mains. Non, j'ai pas envie de voir. Ouais, il y a des trucs au fond et ben. Pourquoi je fais ça? Mais ils comptent nous y repasser voir combien de fois. Mais j'ai vu le truc noir au fond qui s'y me gave. Ouais non, pourquoi non. Oh j'ai pas envie de dire. Pourquoi j'ai fait ça? Je jure je vais pas dormir. Putain Vic, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bah oui, je suis en train de filmer. Ah, bah ouais, je suis en train de regarder des vidéos paranormales. Parce que t'as peur de tout. Ah mais ouais, mais là, je suis en train de flipper, hein. Une grosse remise en question là. Bon bah bisous. Je te jure, je vais pas dormir cette nuit, hein. Moi, je ça fait des frissons. Non, je l'assume pas là. Qu'est-ce qu'il fait avec ces trucs de pommes par terre? Oh, sa grand-mère. Il va se voir une pomme dans la gueule, il va rien comprendre. Wouah! Genre, je peux pas. Un astre. Oh non, j'aime pas être comme ça. Mais il est où ce mec? Oh oh oh, sa grand-mère. Oh putain. Oh là 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 là.
Putain. Ah, c'est les mêmes escaliers que chez mon truc en Angleterre là. On était en Angleterre. Genre les mêmes escaliers. Là. Putain, ça m'a fait peur. Oh non. Pas sous le lit, pas sous le lit. Pas sous le lit. Oh putain, je vous jure. Bon. Aussi haute que j'avais une quinzaine d'années. C'était la pleine lune. Tendre et tati. Bon, les trains calmés. On s'est tous approchés de l'eau sans pour uriner. Et tu n'as rien. Mais j'étais. Menetica. Et j'ai vu une vieille dame s'approcher de la mer. Grilleke. Macha! Et elle criait à l'aide, à l'aide. Mais quand je me suis approché pour l'aider, j'ai vu que son attitude et son visage avaient changé. Ses yeux s'étaient agrandis et son visage était devenu effrayant et rougeâtre. Ah, ça me dégoûte. Je n'arrêtais pas de répéter que si la dame allait dans la mer, elle mourrait. Mes camarades m'ont retenu. Je n'étais plus capable de réfléchir normalement. Noir, les mains dans les poches, capuche sur la tête. Puis soudain, une espèce d'ombre qui a une forme humaine lui attrape la jambe et le traîne sur le sol. Il commença alors à se débattre jusqu'à ce que l'ombre finit par le lâcher. L'esprit disparaîtra aussitôt tandis que la victime lui prend la fuite. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette vidéo est un fake? À vous d'en juger. 3. On continue avec le mystère de Lars Mittank. En juin 2014, Lars Mittank se rendait à un aéroport de Bulgarie afin de rentrer chez lui en Allemagne. Mais soudain, il ressent une sorte de sensation d'angoisse, de panique, de peur. Il décida alors de fuir on ne sait où. Certains témoins affirment qu'il a grimpé sur une clôture pour se rendre dans une forêt voisine et disparaître dedans. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous ne savons toujours pas où il est. T'es chelou là? Mais je pense que le mec là il est pas trop rassuré. Désolé pour cette petite coupure, je vais juste vous demander de regarder attentivement la porte de sortie. Clairement un, voire plusieurs esprits frappeurs qui saccagent.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas trop assumé en faisant la vidéo, donc il y aura pas énormément de vidéos paranormales, etc. Une heure et demie que je filme et que presque j'ai regardé tous les documentaires. Donc bien évidemment je vous mettrai pas tout. Après voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, chacun est libre de penser ce qu'il veut concernant ça. Après je crois que ça pouvait faire une bonne vidéo à l'approche d'Halloween. Donc voilà, mais j'ai pas trop assumé, hein, je vais pas vous cacher. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et que vous aussi vous avez peur, si vous aussi vous avez peur des moments, mettez un j'aime et à me laisser un petit commentaire et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.